Mesdames, Messieurs, nous allons échanger avec Nicoral. Vous allez découvrir et à nouveau ce qu'a la Seigneur de la Tendue. Je commence par un homme. Allez, passez par le beau, discrimination, je commence par un. Bonjour. Bonjour, Serge. Comment vous appelez? C'est M. Mboukou, je suis secrétaire général administratif de l'Université chrétienne internationale. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et quelle bonne nouvelle vous nous apportez. Qu'est-ce qui justifie votre présence sur le plateau de l'ERTET? Notre présence, c'est juste d'accompagner la chorale de l'Université chrétienne internationale. Et la chorale est constituée de nos étudiants de l'université parce que la mission de notre université, c'est de former des cadres que le pays aura besoin et que le monde entier peut également avoir besoin. Mais nous préférons que ces cadres-là soient imprégné de valeurs morales que l'on doit puiser dans le judéo-christianisme. La raison d'être de la chorale de l'Université chrétienne internationale. Merci à ma gauche. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Je vous remercie. C'est Néveine Diabadila. Alors, qu'est-ce que madame Sénévé fait au sein de la chorale? Assistante, un professeur? Je suis la dirigeante de la chorale de l'Université chrétienne internationale. Tu connais l'histoire des dirigeants? Alors, la dirigeante, votre chorale est composée qui est ce que c'est la chorale de l'Université internationale chrétienne de Kinshasa. Nous sommes une chorale et nous sommes en train d'œuvrer l'œuvre de Dieu. Notre mission est de ramener le peuple de Dieu devant sa présence par nos chansons. Pourquoi pas aussi apporter quelque chose pour le peuple de Dieu et de. Bon, c'est une chorale. Avant de poursuivre, mesdames, messieurs, j'aimerais bien vous faire découvrir le savoir-faire de la chorale. Dirigeant. Nous allons interpréter hymne national. C'est la chorale. La chorale. Quand on chante. Vous chantez. Oui. Alors, vous allez nous chanter le Kaplan national. Oui. Pour quelle raison? Bon, la raison que nous avons chanté ça en quatre langues pour nous aussi la compréhension aux anglais. Ok. Je mérite de compléter. Allez-y, allez-y. Les Congolais, c'est un peuple qui se veut. Malgré la diversité linguistique, culturelle, tout ça, mais le Congolais est un. Alors, quand les étudiants de l'Université chrétienne internationale chantent en quatre langues, ils veulent exprimer ce patriotisme
cette fierté du Congolais qui se veut se sentir vraiment digne dans son propre pays, qu'il soit à Lubumbashi, à Kananga, qu'il soit à Bujimai, qu'il soit à Bandundu, à Kela, il a cette identité-là d'être appelé Congolais. Alors, en écoutant l'hymne de ses langues nationales, dans l'hymne nationale, les Congolais se retrouvent réellement. Et c'est le symbole même de cette unité que l'université veut vraiment promis dans les chefs de tout Congolais. Ok, et nous allons continuer à découvrir et nous souhaitons un joyeux anniversaire à Jean Sikisonga qui est en train de nous suivre. Et merci à toi, Teddy Ndongala, de séjourner au pays. Alors, la chorale, dirigeant, on peut découvrir maintenant l'œuvre de la chorale à part de l'université. Nous allons interpréter notre chanson de l'université. Vous avez passé un mot, on va passer un mot, et le secrétaire va clôturer. La chorale ICI, la chorale de l'Université Chrétienne Internationale, nous sommes en train d'organiser un concert qui sera déjà au mois de septembre. C'est le 21, samedi 21 septembre. Ça sera sur l'avenue Guina, l'école Saint-Éric. On sera là tous en train d'adorer et célébrer la communauté. Voilà, le rendez-vous est pris, hein, c'est dans 20 jours, mesdames et messieurs. Alors, face aux spectateurs, un mot. Même Danila, même Lorambouka. Quand il y a tout bas qui compte, il y a des bâtiments. On voit le temps de m'encourager à Tchouba, Jinja, Papuna, Kanasma, Sulé, Zissema, Sulé, Poloba, Kotel, Lina, le Mouna.
J'aimerais inviter tout le monde à venir participer à notre concert qui est pour le mois de septembre, le 21, qui est dénommé Dites vos proches ou encore Maltigan. Merci beaucoup aux téléspectateurs. Je suis en train d'appeler les parents qui ont des enfants qui viennent de terminer cette année ici et de solliciter la place de leurs enfants à l'Université chrétienne internationale ou de prendre leur inscription afin que ces enfants puissent étudier dans la moralité, dans la science et dans l'excellence. Merci beaucoup.